What the fuck? This is defeat. Bon, on s'en est bien sorti. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Pénil, quelqu'un a eu la même idée. On m'a volé mon matelas. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Toute la question est heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à 16. Et tant qu'il y est, qu'est-ce que son putain de boulot à ça? Tout ça n'a rien à voir. Quoi, tu connais ce type? Franck. Et c'est qui, Franck? C'était ton partenaire. De crétin d'emporter de chasse jusqu'à ce que ça. C'est ses membres. Ici. Et. Regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est la batterie. Quelle foire. Descends. C'est bon, ça va. La plaque. Les axes fonctionnent. Du coup, la pousse sur la démarre et l'alternateur t'en recharge la balle. T'es sûr de ça? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'en dis que tu conduis et vieille pousse. Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre épisode sur The Last of Us. Donc là on vient de trouver la voiture. On va hop. On va faire un petit peu le tour de cette maison. Voilà. Bill qui vient de nous dire vous allez faire le tour de la maison pour trouver des petites choses. Bah, j'ai pris le devant. J'avais anticipé le truc. Oups, il m'a bien marré. Hop, alors. Il y a pas mal de petites choses ici. Une lettre. Donc de Franck. Alors, Bill, je doute que tu trouves un jour cette note, car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville, mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste, j'en ai plein le cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie, ce n'est pas ça, mais ça te dépasse, et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre. Tu as sans doute raison. Tenter de quitter cette ville me tuera, mais ce sera toujours mieux de passer que de passer un jour de plus avec toi. Bonne chance, Franck. Ok, donc son partenaire, il le laisse casser. Il en avait un le bol de lui, de Bill. Donc, bah, voilà quoi. Il a décidé de se casser, sauf que ça a pas très bien tourné pour lui. Enfin bref, du coup, c'est bon. On est prêt. Il y a rien ici. C'est bon, on peut y aller. On n'a pas démarré quoi. Hey, bien joué, petit.
Bill, ça nous aide pas. Ellie, on va essayer encore une fois. Reste concentré. Merde. Allez là, barrez-vous, on a une voiture à démarrer. Voilà. Attends, parce que je vais recharger quand même un petit peu. Allez. Y'a rien qui arrive. Ah si, ça arrive. Oh, il est pas précis. Putain, mais lâchez-moi, bordel! Voilà. Allez, on se barre. Nickel. Ça, Bill. Ouais, ça veut dire que les insectes l'entendent aussi. Faut qu'on monte dans ce camion. Allez, on se casse. BNF. BNF. Oh non. Hey, tu devais pas dormir. Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde. La suite prochainement. J'ai horreur de suite. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben. Tiens, ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, c'est ce truc de la tempête d'avant, mon pote. Oh. C'est une belle trouvaille. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wouah! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Cherche-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Pourquoi les pages sont collées?
Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? C'est même pas fatigué. Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type alors? Oh, il n'est pas blessé. Ouch. Ça doit faire mal. Allez, tiens, meurs, bâtard. Allez, rac. Les fils de... Alors... Toi tu fais le malin, toi aussi... Ah la merde. Il y en a d'autres, hein. Ok, la bouffe, on est plein, là il y a un tiroir. Ok, ouais, on arrive à voir à travers les murs, c'est génial. Hop, hop. Wouah, wouah, wouah. Oh, tu m'as surpris ou quoi? Tu vas me donner ton arme, toi. Voilà. Mort. Toi, t'as trop cru. Je sais pas, des trucs bizarres. Hein. Ça va, deux secondes. Meurs, bâtard. Et tu veux quoi, toi? Y'en a plus, hein? Si, je sais pas. Non. Bon, on va faire le tour. Bien comme il faut. Parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Bah voir si c'est chose intéressante à récupérer. Là on est passé, ça on peut ramasser du coup. Là c'est tout bon. Là aussi.
Ok, ouais, désolé, je fais une petite coupure. Ok, donc c'est bon. On est reparti alors. Hop, hop, hop. On est en mode exploration. Cœur de question tant que ça sera. Super. Ok. Pas mal. Ah, il y a un autre là. De l'eau. Faudrait des munitions là. Ah. Là, il y a un truc, mais je vais voir si les cadavres ils ont pas lâché des munitions à tout hasard. Lui, non, non, ok. Bon, allez, on se casse. Ok, cool. Wow. Qu'est-ce qu'il sait, c'est con. Faut que tu cherches ça. Ça aurait pu être nous. Ces gens ont vraiment pas eu la chance. Je savais qu'il aurait dû prendre notre temps avec quelqu'un. Chaussures fois 4, tu changeras de saisie. Tout le monde est occupé à chercher la fille. Ah, donc il cherche Ellie, quoi, finalement. Ok. Ça, c'est une bombe, ça? C'est quoi? Fumigène, ok, d'accord. On va pouvoir se protéger des ennemis grâce à ça. Là, on a oh, un outil niveau 2, ça c'est bien. Là, il y a quoi? Bon, on a ramassé pas mal de petits trucs. À mon avis, hop, déjà. À mon avis, on va pas tarder à pouvoir améliorer nos armes. Parce qu'on a ramassé depuis un petit moment là de pas mal de petits engrenages. Qu'est-ce que je disais? Une table de craft. Tac.
ça c'est plutôt pas mal. Oh, ah, je peux pas augmenter sa cadence de tir. Ah ouais, j'ai plus d'écrou. Ah d'accord, je peux plus rien faire. Super. J'ai juste fait en sorte de pouvoir prendre mes deux flingues directement comme ça. Oh, ça va, c'est déjà pas mal. On se casse du coup. Ouh, ça a cramé là. Ça a cramé des corps. Bon, voilà le pont, c'est notre sortie. Ça marche. Elle est ralentie. Attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer ce pont, tu veux. Et parle-moi enfin. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis chasseurs ont fait ça? C'est le bordel ici, quoi. Vraiment. C'est le darwa. Oh, elle veut me parler. J'arrive. Non, je vous laisse le taux sur la. Pourquoi ils auraient tué tous ces gens? Pour ne pas avoir à les recueillir. Ils les ont tués. Et les morts ne risquent pas d'être affectés. Les sacrifiés pourraient en sauver un grand nombre. On va devoir les tuer, eux, je suppose. Non, toi oui. Merde. Ah, bâtard. C'est des malades. Ouais, moi je me casse.
Ok les gars, on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager les vidéos et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.